Voilà famille, je vais parler de la DGSE. Aujourd'hui, la DGSE, c'est cette division des renseignements français qui s'occupe des informations extérieures. Euh, ce que nous, nous savons, c'est qu'il y a une entité qu'on appelle Total Energy. Total Energy, voilà. Total Energy gère le carburant au congo brazzaville Total Energy gère le carburant en Côte d'Ivoire. Total Energy gère le carburant au Sénégal. Total Energy voulait gérer le carburant au Libéria, dans les pays anglophones, jamais ne pas accepté. Total Energy gère le carburant au, Moza, euh, au Mozambique, où ils sont attaqués par les djihadistes. Total Energy a des difficultés. Au Nigeria. Je vais me préoccuper euh, des pays franco, je vais parler de, des pays francophones. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Aujourd'hui, notre pays là a une plateforme, a une plateforme très riche en hydrocarbures. Mais aucun pays du monde, je ne parle pas des pays du Golfe. Partout on vous dit qu'il y a le pétrole. Mettez en tête que c'est des pays à guerre. C'est des pays où les armes circulent, c'est des pays où on ne parle que de guerre, de guerre, de guerre, de guerre. Quand on te dit que ton pays est vachement riche en ressources pétrolières, 90% des bons connaisseurs de la, du problème de carburant se méfient beaucoup de l'exploitation pétrolière. Il y a un jour qu'on appelle Pointe-Noire, ça c'est au Congo Brazzaville. Total est là-bas depuis plus de 25 ans. Total. Regardez le Gabon. C'est géré par Total. Parfait. Ils sont rentrés même dans le bois. Ils ont tout pris. Total. Et regardez le Gabon. Un pays vachement riche en pétrole. Mais regardez. Ça ne marche pas. C'est eux. C'est que le problème du pétrole, c'est une garantie. pour, C'est une garantie. C'est-à-dire le pétrole, c'est pour eux. Voilà. C'est eux-là. Énergie fossile. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui. Vous venez de voir la réunion qui s'est tenue à Abu Dhabi, quelque part en, dans un pays arabe. On parlait des de énergies fossiles. Les gens veulent s'éloigner du carburant pour aller. Vous avez vu aux États-Unis, presque toutes les entreprises de véhicules là sont en train de faire les véhicules électriques. Voilà, ils sont en train d'essayer. Les compagnies même de transport donnent en location. Donc bref, le monsieur n'a pas compris. Parce que je suis en train de comprendre, quelque part, je ne suis pas en train de faire le lien, je suis en train de comprendre que ceux qui ont aidé Doumbouya à faire le coup d'état contre le, la Guinée ne sont plus en mesure de gérer la vie de Doumbouya, selon Doumbouya. Ceux qui l'ont dit qu'il aura toutes les facilités de gérer après Alpha Condé, selon lui Doumbouya l'ont menti. Mais qu'est-ce qui s'est dit? Je vais m'approcher au mania du carburant en France, c'est-à-dire les compagnies les sociétés françaises pour qu'on mette. Pour garantir son pouvoir, parce que Total est avec les armes. Le temps de lancer à et nous savons combien de fois Total a foutu de la merde dans ce pays là. Total. Tous les jours, c'était des crises de carburant. Tous les jours, crise de carburant, tous les jours, crise de carburant au temps du président Lanzar la Quand il voulait saboter Lanzar la Comté, il crée des problèmes de, de carburant total. Voilà, ils sont revenus. Famille, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, nous avons longtemps parlé de galère. Ce n'est plus la galère qui va tomber sur la Guinée. C'est la famine. Tout pays qui peut supporter, j'ai dit tout pays qui peut supporter les conneries. Les agissements de Total, ce sont des pays qui sont préalablement bien préparés. Merci, mon beau. Bien préparés. Mais la Guinée n'est pas bien préparée pour accepter le jeu de Total Energy. Vous comprenez Plus que, je dis bien, plus que les agissements. Tous ceux qui connaissent Total Énergie, je parle de Total Énergie. Parce que Mamadi qui est là, là, lui, il est prêt à tout, hein. Il suffit que quelqu'un lui dise, je te donne le nécessaire pour que tu restes son pouvoir, pour ne pas que quelqu'un mettre main sur toi. Allez-y voir ce matin, autour du palais Mametek, ils ont mis des bétons partout. Ils ont mis des bétons partout, ils ont tout verrouillé. Il y a béton partout. Il y a béton partout, ils ont envoyé des médecins. Il a tout pour, le, pour voir ce qui ne va pas. Parce que le, même les Français se sont rendus compte qu'ils ne se portent pas bien. Oui, ils se sont rendus compte Almenyi wululu euh qu'elle a sur les réseaux sociaux là, même les proches ce sont ses proches, taf, sa famille, Allemagne, la famille nous sommes sommes un peu liés à la famille, on connaît un peu. La famille s'est rendu compte qu'il est malade, ils savent très bien qu'il est malade. Alule 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 fin qu'il a la papa papa y a la, réseaux sociaux quand. Sa famille là, ses proches là ont vu qu'il est malade. Ce qui lui est arrivé là est malo. Même quand est mal, sa famille, sa propre famille, ils savent très bien qu'il est malade. Voilà, aujourd'hui, ils se sont préoccupés. Voilà. Ils se sont préoccupés, ils ont demandé. Ils ont demandé des médecins et autres. Aujourd'hui, là, c'est des médecins tout verrouillés. Même ceux qui vivent avec lui, ceux qui sont avec lui, là, c'est difficilement, ils vont le rencontrer. Mais Total, je reviens sur Total. Voilà Total aujourd'hui qui va obtenir tout le marché, tout le marché de la Guinée, ce sera pour Total. Je suis en train de venir vers les conséquences d'un contrat avec Total Énergie. Bolokadan a communiqué Ya musto aïdi tate. Sala la kare, ma chérie, comment vas-tu? Ma chérie, comment vas-tu? Ce qui va arriver là? nous, le niya pour le niya na. Fanga c'est insulté.

donc c'est pour vous dire, c'est la galère qui était sur le guinée mais c'est la famine qui arrive, la famine. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande On demande à Mali Doumbouya de payer le transport. Ils ont signé un contrat avec Total Energy. Le contrat était entre Doumbouya de la Sonap. Et total énergie. Le ravitaillement du carburant, donner le carburant. Ce pas le président Alassane Ouattara qui va donner gratuitement le carburant. Le président Alassane Ouattara facilitera le transport. va faciliter. Le président Alassane Ouattara pense à la population guinéenne. Le président Alassane Ouattara, à Hindani, il, a, il a un cœur. Il accepte la transaction sur son territoire. Le président Ouattara, excusez-moi, et puis il a, il, a, il a un code au secrétaire général de la Ligue islamique, et puis il t'insulte. Je sais pas, excusez-moi, je la lève doucement. Mais ce qui est grave dans ça, les gens applaudissent que bientôt le carburant va venir, chaque, que chaque... chaque chaque mois, 50 millions de 50 millions de, de carbone, je sais pas, si c'est chaque mois, 50 millions. Pape Bien Wallah est mon champion. Mais ce qui est grave, c'est que vous ne savez pas. Le président Alassane Ouattara ne peut, ne peut accepter que le transport sur son territoire, le passage. Mais ce qui concerne les taxes, ils n'ont pas exonéré les taxes. Hein? Ce qui concerne le transport, c'est à la charge du gouvernement guinéen. Taxe. Taxe. Euh. Transport. Je ne sais pas si vous comprenez. Taxe. Transport. Sécurisation du convoi. C'est assuré par le gouvernement. C'est payé. C'est aux frais. Je dis bien, c'est aux frais. C'est aux frais du gouvernement guinéen. Merci frère pour les étoiles. Merci beaucoup. Ceux qui pensent que oh, nous sommes sortis de la situation, c'est pour vous dire que nous sommes foutus. 500, 50 millions de litres par mois. 50 millions de litres par mois. Imaginez-vous, vous payez le transport. C'est combien de camions? Maola, comment vas-tu, ma chérie? C'est combien de camions qui vont transporter? Vous pensez que vous pensez à Alpha Condé. Alpha Condé nous a fait éviter la honte. Et pourtant nous connaissons ce que je dis bien. Nous connaissons ce que la Guinée consomme par mois. Nous consommons so, minimum. La Guinée consomme 70 millions de litres par mois. Mais à la salle nous envoie 50 millions. Vous avez vu là où le faux technicien, l'homme qui ne connaît pas les mathématiques, qu'on appelle Amadou Doumbouya. A automatiquement pensé à quoi? À la fixation du prix du carburant. Écoutez-moi très bien. Le président Ouattara, je dis bien, lui, fait ce qu'il peut pour nous. Nous le remercions. Et pourtant, c'est Alassane Ouattara qui a fait troisième mandat. Hein. Alassane Ouattara, c'est lui qui a fait troisième mandat. Allez-y voir chez lui. Regardez comment il travaille, il a fait troisième mandat. Hein. Il était en concurrence avec son ami. Alpha Condé, c'est son ami, en même temps son conseiller. Ils sont très amis. Au-delà du de de truc politique, ils sont très amis. Alassane Ouattara, c'est le quelqu'un qui a fait le troisième mandat. Vous avez vu ce qu'il est en train de faire dans son pays Regardez, parce que vous, vous avez enlevé Alpha Condé, que parce que dans les arguments de vos, petits, de vos petites personnes, de vos petits communicants, que c'était un problème de troisième mandat. Même la France, c'est au, au bout des lèvres, ils ont condamné. Le coup d'État, ils ne l'ont pas dit. Là, c'est lui qui nous aide à avoir le carburant. Il a fait troisième mandat. Il a fait même mandat qu'Alpha Condé. Il avait les mêmes années d'élection qu'Alpha Condé. Ils ont fait au même moment le troisième mandat. Sauf que vous n'avez pas laissé Alpha Condé sortir sa deuxième phase de travail. Alpha Condé a fini d'utiliser le personnel qui croyait comme personnel. Il est revenu à la charge pour le dire que vous êtes malhonnêtes, vous êtes que des voleurs. Et tellement qu'il est intelligent et averti, qu'est-ce qu'Alpha a fait Alpha Condé a bloqué les comptes de l'État, il a gardé. Il dit, après les élections, je vais faire une révolution. C'est cette révolution que vous avez eu peur. d'une bande de voleurs s'est réunie derrière toi pour attaquer Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est nous qui devons acheter le carburant. Non seulement acheter, mais payer les frais de transport, payer les taxes à l'étranger. C'est-à-dire, nous ne gagnons pas les taxes quand les bateaux envoient. Non, nous ne gagnons pas ces taxes. Nous perdons les taxes. Nous perdons des revenus. L'argent là va aller en Côte d'Ivoire. L'argent là va rentrer dans les comptes. La Côte d'Ivoire. L'argent là, c'est fini. C'est pour les Ivoiriens. C'est normal. C'est normal. Alpha Condé, lui, il avait 11 mois de stock de carburant. 11 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 mois de carburant. Le président Alpha Condé avait le stock de carburant. Plus que tous les pays de la sous-région, il avait 11 mois de carburant déposé. Il n'avait plus besoin de carburant. Il se lève encore, il prend plus mois de salaire, il débloque, il met de côté, il n'a plus besoin de salaire d'un fonctionnaire. Aujourd'hui, c'est vous qui devez signer le contrat avec l'ennemi de toute l'Afrique. On vous a expliqué comment le président Biya les les a, a virés au Cameroun. Demandez aux autres pays, quand Total arrive, c'est eux qui fixent les lois. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas le Total. Total, tous les patrons de Total travaillent avec la DZSE, cette division des renseignements excellents français. Il n'y a pas un patron de Total qui ne travaille pas avec eux. Vous connaissez le boss de Total. Excusez-moi. Oui, c'est vrai, mais pour le moment, la main, je vais t'enlever ici. Vous comprenez? Mon inquiétude, il est tenté, parce que pour toi, là, c'est fini. Toi, Doumbia, c'est fini. Mais c'est le fait que tu remets notre pays à, à Total. Tu connais, tu connais qui est Total Hein Est-ce que tu connais Tu connais ce qui veut dire Total Hein Est-ce que tu as vu c'est un rappel pour toi. Lorsque le président, professeur de génétique, Pascal Lissouba, a battu Denis Asungoso, ce qui a battu Denis Asungoso, c'est le seul professeur, une élection contre le président Denis Asungoso, professeur Lissouba qui a battu, Lissouba qui avait battu Denis Asungoso, à, à une élection. Et tu sais comment Denis Asungoso est revenu et qui l'a ramené tu sais qui, la, qui a ramené Denis Sassou Nguesso Malgré qu'il ait mis dans le facon, mais je vais le dire. Tu sais qui a ramené Denis Sassou au pouvoir Tu sais qui a ramené ce monsieur-là au pouvoir C'est Total Energy. C'est eux qui ont fourni les armes. C'est eux qui ont manipulé les officiers supérieurs. C'est eux qui ont tout fait, le monsieur, à repris le pouvoir. Demandez aux gens. C'est une histoire, c'est écrit par Jean-Afrique. J'ai le livre là, chez moi. Ça s'est passé en 97. Faut te renseigner, petit. Tu n'as rien compris. Tu connais pas Total. Tu es rentré dans la gueule de la... C'est-à-dire, il Tu ne connais pas. Tu es rentré dans la bouche de quelque chose qui est extrêmement dangereux. Si tu connais Total, il dit c'est mort. Bon. Ceux qui t'ont conseillé de manipuler le drôle, la hache à la de Ni Allah, il dit ni misa. Allemagne, il y a un équipe blanche qu'on J'ai une de tes photos là-bas. La photo a été prise d'avant-hier. Tu es là, tu es assis comme ça, tes yeux sont comme ça. C'est ça, même frère. Il est mort à l'étranger, oui. Tes yeux sont comme ça. Tu es en train de parler. Que, pourquoi j'ai pris Alpha Condé Pourquoi j'ai attaqué Alpha Condé Tu te poses mille questions. C'est ça, Alpha Condé. Alpha Condé est arrivé. Total a fait des propositions. Ils ont fait des propositions pour exploiter, pour exploiter le jugement pétrolier qui est là-bas, sur, sur nos côtes. Alpha Condé n'en a pas pris comme une priorité. Ils ont tout fait. Ils dit non, ce n'est pas une priorité. Mais priorité, là, d'abord, c'est enlever la dette. Je suis endetté. Mon pays est endetté. Il n'a même pas dit que c'est les autres... Alpha Condé n'a pas passé son temps à accuser les autres de faire endetter la Guinée. Il dit que... Mon pays est endetté, je suis endetté. Je dois d'abord payer les dettes de la Guinée pour crédibiliser mon pays. Tu as compris? C'est ce qu'Alpha a fait. Il a rendu le pays crédible avec le PM, mon médecin de Fofana. Nous avons eu Ebola. Avec Ebola, nous avons résisté. Mima Souma, frère, salut. Nous avons accepté tout ça. Hé, hey, petit, dis, le père Moussaïdou tellement qu'il a été un garçon, un bon monsieur. Même si nous, tout ce que nous avons obtenu avec Alpha, coco bien là, moi je pense au départ d'abord. celui qui nous a fait lever la dette sur la guinée d'abord. Je dois tout ça à ces derniers. Parce que c'est lui d'abord qui nous a aidé à effacer la dette d'abord. C'est lui qui a garanti d'abord tout. Un coup de bassement tu connais le sous-bassement, tout est sous soubassement d'abord bavardage là, on a fait des buildings des étages par-ci par-là, c'est parce que quelqu'un est venu faire asseoir d'abord le soumassement. la maison est jolie, la maison est comme ça, c'est un gratsello c'est ceux qui ont fait le fondement, qui a fait le fondement c'est ça du Fofana, c'est son gouvernement qui a, fait, qui a fait le fondement tout ce Condé a fait là tout est parti du fondement, et qui a fait ce fondement là, c'est ça du Fofana il était le premier à s'opposer à l'installation de ses compagnies en Guinée, il dit non et c'était intelligent de sa part. Et qu'est-ce que toi tu fais C'est pour nous envoyer dans la gueule du loup. C'est ce que tu es en train de faire. C'est Total maintenant. C'est Total qui va gérer le carburant. Tu ne connais pas Total. Tu ne connais pas Petit. Donc j'insiste dessus parce que ce que les Guinéens ne savent pas, qu'au carburant, attend, Mais ils ne savent pas. Parce que le, qu le dernier mot, qu'est-ce que Total a dit quand vous avez fait les calculs, tellement qu'Amal Doumbouya là c'est un petit vaurien. Quand vous allez faire les calculs là, combien ils ont demandé d'augmenter sur le prix, l'ancien prix là, combien ils ont demandé? Si vous êtes sûr de vous, venez vous asseoir devant les Guinéens, vous dites que voilà ce qu'on doit augmenter. Wallah Billetlaï. Je veux, c'est j'attends le jour là que vous ayez le courage de venir vous asseoir pour dire que nous allons augmenter six 000, 000 francs guinéens sur l'ancien prix. Et puis, l'argument que vous, l'argument, l'argument que vous voulez envoyer là, l'argument là, ça va pas passer. C'est-à-dire, vous voulez mettre le transport dedans. C'est-à-dire, le transport là, c'est le, c'est le peuple qui va payer le transport. C'est le peuple qui va payer les taxes. C'est le peuple qui va payer l'entretien des convois des véhicules. Et Allah. C'est-à-dire, tous ces calculs là, total qui doit vendre le carburant ne prend pas sa charge. C'est l'État qui prend sa charge et puis il fixe le prix. Eux là, ils ne perdent pas, hein? ils ne perdent rien dedans. au entre vous là, s'il y a un qui est intelligent parmi vous. Frère Lama, bonsoir, grand frère. Je ne sais pas s'il y a un qui est intelligent parmi vous. Comment vous pouvez accepter Vous pouvez accepter tout. Quelqu'un, c'est comme moi, Benito. Je veux te vendre mon téléphone là. Maintenant, je... c'est le téléphone que je vends, mais je dis la puce. La batterie. Ça dit, le téléphone, c'est le bon téléphone, je te vends. Mais la batterie, je vends ça à part. Je vends euh, la protection à part. Je vends euh, la couverture à part. Et l'école là. C'est-à-dire, il m'a qu'à l'école, Tu n'es pas. Merci Frère Lama. Maintenant, toi, on te toi, on te, on te, on te vend le carburant. Il pas vivre la transition. Merci pour 10 ans, Fatma Takamara. Lorsqu'ils vont rentrer dedans, là, vous allez comprendre. Ne t'en fais pas. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pas à vous la faire. N pas à la faire. Dis, il faut dire 20 ans. Que, comme vous ne connaissez rien. La souffrance qui est sur là, vous allez comprendre. Il n'y a mot d'énacier que 20 ans de, 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 de transition imbécile. Vous comprenez? On vous vend le carburant. Mais le, on dit le carburant est là. Vous l'achetez à tel prix... Mais en même temps... C'est vous qui allez payer le transport... C'est vous qui allez payer les taxes... C'est vous qui allez payer... Donc, vous payez tout... Eux-là... Leur prix... Leur prix ne change pas... Rien ne change... Le prix-là... Rien ne change... Et pourtant... Dans les autres pays... Les pays souverains... Le transport du carburant... Tout est négocié au départ... Le transport... Les taxes... Tout... L'armateur doit payer. Ou bien vous n'êtes pas au courant de ça? Ne répondez pas, hein, ne répondez pas à Fakmata Kamara. Laissez-la, je, je veux juste la bloquer un peu. Non, Fatou, c'est ça, c'est. Vous avez vu celle-là, elle Elle couche avec Diba euh, Yakité, elle couche avec Amara. Donc, c'est des femmes qui, voilà, qui sont avec euh, tous. Euh, vous, avez vu, vous, avez vu, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu, Je connais, je, je connais très bien celle-là. Je l'ai vue euh, dans un commentaire, là, quand j'ai cliqué. J'ai fait la capture de Candace, de sa photo. Donc, ne la répondez pas. Elle est déjà partie. Voilà, c'est tout. Parmi vous, là, je ne sais pas s'il y a un qui est intelligent, pardon. Un seulement. Parmi vous, personne ne peut réfléchir pour dire non, on ne peut pas prendre ça en charge. Maintenant, voilà qui va payer le prix. C'est qui C'est le peuple. Dans deux ou trois jours comme ça, là, vous viendrez devant les Guinéens. Vu la situation, vu la situation de ça là, voilà le prix du carburant. Le, le prix du carburant, il y a même un tonton, il y a tellement d'intelligence dans ce pays là. Il y a un frère, il est professeur d'université. Voilà, il est professeur d'université. Il m'a fait le tableau des prix déjà. Lui, il a fait le tableau. C'est lui, il dit, voilà, le carburant sera. Ils vont augmenter entre 3 000 et 6 000 francs guinéens. Il C'est-à-dire, ils vont mettre sur l'ancien prix, soit 3 000 francs. Ou oh bien 6 000 francs La discussion aujourd'hui, c'est entre 3 000 et 6 000. Ce n'est plus 1 000 et 2 000. C'est entre 3 000 et 6 000. Hein Benito, imagine-toi qu'on met, même si c'est 3 000, on augmenté, si Même si c'était 3 000, on mettait. Voilà le tableau. Je, te fais, je suis économiste. Je te fais le tableau des prix. Si, moi, je prends 2 000. Je commence par 2 000 francs guinéens. Si on met 2 000 francs guinéens sur l'ancien prix, prix-là, Voici les prix du riz. Je prends les prix des premiers nécessités, des derniers nécessités. Je prends les prix. Regarde, il me fait le tableau. Quand je regarde le tableau, je dis non, c'est fini pour la Guinée. Je ne fais pas ce tableau-là parce que j'ai envie de le faire, mais qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour mériter ça Et puis tellement, que c'est un procès de dit Regarde la statistique. Regarde la statistique. C'est pas quelque chose de d'un an. La, regarde la répercussion de cet incident là, du dépôt là, c'est pour ces trois ans. Il faut deux ans pour que on ne sent plus ce qui est arrivé, le, le dépôt là. C'est-à-dire, l'homme ou la personne qui a conseillé ce monsieur de lancer un drone sur ce dépôt là, c'est à toute la Guinée fait du mal. On pensait arranger, mais ils ont su qu'ils ont tout gâté. Lui même il s'est rendu compte qu'il a tout gâté. Parce que il va arriver à des moments ici où il y a des commerçants qui vont choisir ce qu'ils vont vendre, ils vont revendre. Il y a des facteurs. Il y a, bon, je ne veux pas t'expliquer, c'est des termes économiques. Parce que on vend aussi des produits en fonction de ce qui s'écoule facilement dans le marché. Et sur le marché. Donc il va arriver dans, dans ce pays là. Même les commerçants là, ils vont voir quels sont les, les, les produits qui sont facilement écoulables. Sinon Personne, ils vont laisser ça comme ça. Et imagine-toi que dans ce pays-là, qu'on vient te dire qu'il n'y a pas de pile, de pile électrique. Tu viens dans ce pays-là, on dit non, il n'y a pas de, de bic. On dit là, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas l'acheter, mais les, ça ne s'écoule pas rapidement. Les gens n'achètent pas. C'est un truc saisonnier. Imagine-toi dans ce pays-là, dans ce pays-là, tu viens à un moment, on te dit non, il n'y a pas de sac, de sac de ciment. Tu t'imagines Et c'est ce qui va arriver. Il faut demander à tous les économistes. C'est ce qui va arriver dans ce pays-là. Des produits vont manquer. Vous n'allez pas retrouver certains produits. Ce n'est pas parce que les commerçants ne peuvent pas importer. C'est parce que ça ne s'écoule pas facilement. Donc, ils ne pourront pas s'engager. Et puis, ce qui est grave dans ce pays, il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas d'argent liquide. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Les gens ont gardé l'argent. Et je vais, te, je vais faire la conclusion. Le pays là, arrêtez de dire que le pays est à terre. Arrêtez. Ambrabo est à C'est terminé. C est à toi. Ce n'est pas un problème de pays à jour. Mais là, le pays La Guinée, ce n'est plus un pays actuellement là. La dernière fois, c'est ce que Gomu a dit là. Gomu l'a pas dit parce qu'il fait chaos. Oh, il fait chaos. Il a profité pour dire le mot-là. dit qu'il y a des départements qui ne fonctionnent pas. Il y a des ministères aujourd'hui qui ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a des ministères aujourd'hui, même pour avoir, pour avoir un papier RAM. Je ne dis pas pour me moquer. Il y a des départements aujourd'hui, même si chacun achète son papier RAM pour venir déposer. Il faut demander, il y a des départements aujourd'hui, même le paquet RAM là, tu achètes, tu viens, tu gardes, tu fermes ton tiroir. Fais une à et puis tu paies dans ton argent. Il y a, a, y a, y a, y a certains euh, certaines articles aujourd'hui des bureaux. C'est les directeurs qui achètent avec leur propre argent. Avec leur propre argent. À fond, il va tous ceux qui travaillent, les directeurs qu'ils ont nommés là. Les directeurs, eh, les directeurs, qui sont nommés et autres là, il faut les demander. Il y a des directeurs aujourd'hui là, <laughs> demande-les. Ils n'ont même pas de. Quand j'ai vu votre Tatacoula, sa voiture, Tatakuru qui a été nommé, demandez la, eh, la voiture 4x4 qui détient. Demandez à tout le monde de te donner la photo de la voiture de Tatakourou. C'est un ancien pick-up de 1903. Ils ont donné à tatakuru. Il faut demander à tout le monde un véhicule de 1900 combien? un pick-up comme ça là. Faut voir, il faut voir le gars dedans. Un directeur, je ne sais pas de quoi. Mettez le, mettez le cœur. Il faut demander à tous ces petits directeurs. Demandez-leur. Les préfets, les préfets là, les préfets qui sont vers Yomou, Kundara et tout, demandez-leur s'ils sont venus depuis à non Rien n'est budgétisé. Et pourtant, on les demande d'assurer le service minimum, l'activité minimale. Mais malgré ça, le service, le service minimal, l'activité minimale, mais quand tu vas pour les rapports, là, quelque chose qui n'a jamais été payé, quelque chose qui n'a jamais été. On a tenu une réunion, on a dépassé 20 millions. La réunion n'a la réunion jamais existé. Bon, sur papier, la réunion a existé. Mais dans les actes, la, la réunion n'a jamais existé. Et qu'est-ce qu'on fait On écrit 3, 4, 6 personnes comme ça, et puis on donne 20 000, 20 000. Mais déjà les 20 millions. Et jusqu'au premier directeur à Conakry, l'argent est déjà envoyé par, par, par Orange Money. Directement, c'est déposé à C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez que dans ça, il y a. S'il y a une activité de 20 une activité, une activité de, de, voilà. Il y a un Toyota de 1960, effectivement, c'est un. C'est un Toyota de 1960 là. Demandez, Tata, un directeur national. Ce que le frère Gomu a dit là, Gomu l'a dit seulement pour éviter. Ce qu'il a dit là, parfaitement, il y a des départements qui ne fonctionnent pas. Il n'y a rien. Ce n'est pas parce que les ministres ne veulent pas travailler, c'est parce qu'ils n'ont rien, aucun budget. Ils n'ont même pas de matériel de travail. Il n'y a pas d'article. Maintenant, si on dit, bon, organiser le séminaire là, dans un tel département là, oh, et René Olleron, tout le monde, baigna et Kou, parce que si on dit bon, parce que c'est lui qui organise le plus, celui qui organise plus de, de séminaires, c'est Béa, le plus vaurien des ministres, Béa Diallo, ministre des Sports. C'est l'homme qui est capable d'inviter des artistes, des footballeurs. Parce, parce que, moi, moi, je félicite Béa. Pourquoi je le félicite? Parce qu'à chaque fois qu'il invite quelqu'un, après Conakry, la personne est dans le malheur. Et depuis que Paul Pogba est venu à Conakry, il n'a plus, plus la paix. Jean-Claude et Tyson devaient venir, je ne sais pas. La suite, il y a eu feu. Il y a eu beaucoup de personnes, tous ceux qui ont pris photo avec eh, là, Regardez Takana Jaon, le trou de Takana Jao. regardez-le aujourd'hui. Même quand il passe dans la rue, les gens, les gens crient sur lui. Si ce n'est pas un mouillé qui vaut rien, dit Takana Eli Kamalo, est-ce que vous entendez parler d'Eli Kamalo Tous ceux qui ont foueté les gens-là. Kata. Abeli Kata. Je vais terminer par la maman de Doumbia. Adjamandula. Maman. Adjamandula, mito mito sebedi. Kony Doyana Lidi. Tu es une maman. Adjamandula. Amandula. Mais Bekalobi, que c'est toi qui gères Amalou Doumbia. Tout le monde le sait, c'est toi, Amadou qui a pris comme maman ou je ne sais pas, marraine. Tu, tu es la marraine de beaucoup de secrétaires, c'est-à-dire des dames qui sont venues se confier à toi. C'est un esprit de faiblesse. Quand tu vois les gens partir par le pied de la maman du président, c'est que c'est c'est des gens qui, ne, qui sont incompétents, ils sont vauriens. Sinon, voilà, la dame qui a créé problème au ministre de la Santé, là, elle était là, hein? Moi, je ne sais pas quand est-ce que tu es devenu la maman, la, la tutrice de celle-là. Et nous connaissons la suite. L'argent-là, nous avons beaucoup d'informations par rapport à cet argent. Parce qu'on nous fait comprendre. On nous fait comprendre. Excusez-moi, voilà. je suis en train d'enlever les. Euh... Attends, excusez je suis en train d'enlever les là Voilà. Donc, je suis en train de te dire, maman, que dans la vie, là, tout ce qui tourne autour de toi, là, tu sais, c'est ce qui est arrivé au papa de Amara, notre grand, notre grand, notre papa, le père d'Amara Zenadjara, chaque matin, c'était la il la queue, pour déposer les dossiers plus un million pour avoir l'emploi rapide. C'était le papa de Amara. C'est Bumuya qui a mis fin à ça. Doumbouya a envoyé les forces spéciales, à convoquer la maman, le papa de Amara. Il lui a dit. Et ça, ça a cessé. Amara qui est à côté de lui là. Aya, il est la marraine de, tout, de toutes ces dames-là. Et des faux gars qui sont des petits directeurs. Il est la belle marraine. Dit. Tu n'es pas allé à l'école. Tu étais avec nous, Tibli même bête que la RPG là, c'est RPG 16 là, Kanka. Préparation bas, activité de RPG, tu étais devant. Ton fils a fait coup de temps à Condé. Nous, on s'est pas fâché contre toi. Au départ, tu avais la mine comme ça. Aujourd'hui, tu es devenu l'actrice principale pour que ton fils reste au pouvoir. Aujourd'hui, c'est toi qui allèves la première le sacrifice pour ta, pour ton fils. Partout où on dit y a un marabout, même si c'est en Inde, il doit venir. Les sacrifices uh, mystiques et autres, là, il est a fait. Il n'y a pas de problème. Au Békaï, les autres mamans-là, les autres présents-là, à là de Kassoudo, à l'hôpital café galde il est... Il est même que là, si ce n'est pas... On te dit, il ah, y, a, y, a, y, a y a un marabout au Benelav. Il a fallu, il a fallu. Tu dis à Djibadja quitter, on envoie le billet d'avion, le gars, l'attend tombe. Aujourd'hui, il y a plus de 5 Indiens, plus de 6 Béninois. ils sont nombreux comme ça des marabouts qui travaillent pour ton fils. Tu sais que Dieu, Allah, C'est Alpha Condé qui t'envoie à la Mecque. À la Groupe Obéa. Timbrique là, de Tout le groupe là, c'est Alpha Condé qui les a, vous a envoyé à la Mecque. Et ce qui me plaît dans l'affaire d'Alpha Condé, il n'a jamais budgétisé quand il veut envoyer des gens à la Mecque. C'est son fonds souverain là. Parce que le fonds souverain, c'est l'argent propre. C'est l'argent. C'est dans ça qu'il a levé l'argent pour envoyer des gens à la Mecque. C'est dans ça qu'il est parti à la Mecque. Et aujourd'hui, Sarakabola numéro un, ce n'est pas l'affaire de sacrifice, hein? c'est ce qu'on enlève comme sacrifice qui est grave. Parce que sacrifice là, même quand tu, hein, même quand tu rêves là, quand tu rêves là, on dit ah, il a rêvé, on y va expliquer à quelqu'un, il va te dire, il faut enlever ceci là. Et pourtant, il y a un bon musulman avant de sortir à la maison le matin. Ce n'est pas la prière de 5h avant de sortir, tu pries, tu pries 2h4, tu sors. Quand tu rentres là, les Arabes là ils prient. Les Arabes là ils prient le matin. Leur grand sacrifice là, c'est la fête de tabaski. des maka fait où? il faut demander à tous les musulmans. Moi je dis les vrais musulmans, je ne dis pas quelqu'un. Voilà. Moi je parle des vrais musulmans. Je n'ai pas dit quelqu'un n'est pas musulman. Je parle des vrais musulmans. Voilà, quand tu veux sortir de toi là, tu fais ablissement comme ça, tu fais deux 4 tu sors. Ça là, c'est sur toi, tu sors. C'est Dieu même qui est avec toi, comme ça. Mais on te dit, tu enlèves un albinos. Tu enlèves un albinos, vous l'enterrez vivant ou bien vous prenez aiguille là, vous percez la plante du pied, votre même, en sortant, il faut dire les noms des gens. Parce que c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. On dit non, vous prenez un enfant, vous, vous coupez la veine. C'est trop mystique. Il est Hadja. Toi, tu es premier Hadja, tu es assise. On est en train d'enlever les sacrifices comme ça. Devant toi, tu as la Mecque. et eh, tu as été à la Mecque. À la terre. Ou le kakenta, faut qu'on dit kassoke. Nima kassoke, yamala mekono. Hadja manjula, il kasoke kassoke, yamala Bedaï. Et puis ce qui est grave, c'est que tu peux compter sur moi pour répondre à toutes les personnes qui vont nous dire ce jour-là que tu es, tu es une maman, que tu es âgé d'avoir pité toi. Tu n'es pas âgé. Tu n'es pas âgé parce que tu n'as pas 60 ans. Si tu as 60 ans, c'est maintenant que tu as eu 60 ans. Sinon, tu n'es pas âgé. Allez, comme ça, on dit Moi, je parle de ce que tu fais. Aujourd'hui, l'affaire de Kabila, tu sais très bien que c'est ton fils qui a brûlé le dépôt. Et tu sais très bien que ton fils a été brûlé. On ne sait pas comment il s'est brûlé. Ben qu'alors, tout le monde a su qu'il a été brûlé. Mais personne ne va expliquer au Guinéens comment ton fils a été brûlé. Tout ça là, c'est brûlé, ton fils là, ici, là-bas, ici, là. Ça mène là-bas. Mais comment il s'est brûlé lui-même si Malon, comment il s'est brûlé Comment lui s'est brûlé? Ou bien il était orgueilleux, il a dit non, donnez-moi le drone, moi-même le drone. Il a manipulé, je ne sais pas comment il a fait. Mais en tout cas, il n'était pas loin du lieu. On est en crise. L'affaire de Carbira, si, si, si les gens ne savent pas là, c'était ton travail, ton principal travail au Balancoron. Tu vendais le carburant, bidono, Carbaïra. Tu connais très bien l'affaire de Carbina, comment on vend le carburant? Tu connais le business de carburant. Aujourd'hui, il y a business. Alors, Diamana Talé. Diamana Talé, ça c'est pour. Le, ça, le stock là, c'est pour la Guinée, c'est pas pour lui, Doumbouya. Donc, Nebradin. Nala la sonna, c'est un peu de C'est pas l'affaire de vérité. Parce que n'est mots les cafognien. Qu'on vient, qu'on n'y a de branquili. N'y a de branquili. Voilà un bête qui est là, il ne comprend pas ce que je suis en train de se Il faut bien comprendre, Un Imbécile que tu es. C'est toi qui n'as pas honte, parce que je suis pas en train de la manquer, de respect c'est un imbécile. Et puis, tu, tu m'as pas en train de, attends, c'est pas celui qui a une tête de mort comme ça, là. Un vaurien comme ça, là. Il bête, il, au lieu d'écrire très bien les mots en français, là. À bête, il bâille, la mal Parce que c'est moi qui ai fait ça. Ah, comment on peut dire que Dumbé a été tabassé. Également, j'ai dit ça dans un directeur, mais moi je ne crois pas s'il si a été tabassé. Bon, je ne sais pas, on dit ah, il a été tabassé, mais quand tu vois Dumbé à feu, il va à feu, c'est comme si quelqu'un qui a été tabassé, il va à feu, je ne sais pas. Comment on peut se Mais aujourd'hui, tu as vu, tu es inquiet. Il est à là. tu as demandé que les médecins viennent. On va en retourner au pays maudit. Tu as demandé que les médecins viennent contre Faudreto là. C'est bien, c'est comme moi, il Oui, c'est normal qu'une mère vienne au secours de son fils. Oui, c'est vrai. Tu as vu, tu es venu au secours de ton fils. Mais ce que toi, tu ne sais pas, c'est qu'il y a des milliers de mamans comme ça, là, qui n'ont pas vu le corps de leurs enfants. Il y a beaucoup de pères de famille, jusque-là, le 5 septembre, ils n'ont pas vu le corps de leurs enfants. Il y a des femmes comme ça, là, jusque-là, elles, elles, elles sont restées sans mari. Il y a aujourd'hui des enfants qui ont quitté des écoles privées. Des écoles, des bonnes écoles. À cause de quoi À cause de Doumbouya. Oui. Très bien, je connais très bien. Hein, chaque, tu comprends, non C'est un rappel. Aujourd'hui, toi tu viens au secours de ton enfant. Toi aujourd'hui, tu, tu es derrière ton enfant comme ça. Toi aujourd'hui, tu te bats pour ton enfant. Toi aujourd'hui, tu as peur pour ton enfant. Les autres là, ils ont demandé qu à, à récupérer le corps de leurs enfants pour les enterrer dignement. Il n'a pas donné le corps. Ils ont demandé qu'on les le corps. Il n'a pas donné le corps. Toi, tu veux que ton enfant s'en sorte dans ça? Et puis c'est combien de corps Mama, maman a demandé c'est combien de corps? Ton enfant là il a combien de corps déjà gens? Il a gardé combien de corps? Voilà mon farceur il a laissé quatre femmes combien d'enfants? Parce que le petit a dit que Sarah Kata la belle a dit petit là il a disparu. Qui a été le force spécial il est mort. Petit Garnet, ou ben, a madame, petit Touré ils sont nombreux comme ça ils sont tous partis. Est-ce que quelqu'un a reçu le corps? Non. Je parle de, de, de ça c'est des récentes actions. Je ne parle pas du 5 septembre. Il y a, y a des épouses aujourd'hui. Nous sommes amis depuis longtemps. Il y a des épouses aujourd'hui. Ils ne peuvent pas parler. Regarde la conjoncture aujourd'hui. Ils n'ont pas de mari pour les aider à avoir l'argent pour nous les enfants. Certains sont devenus des prostituées. Excusez-moi les mots. Elles sont devenues des prostituées aujourd'hui pour nourrir les enfants. Et ce n'était pas comme ça. Baraka, comment vas-tu mon frère, mon champion? Ce n'était pas comme ça. Tout le monde connaît dans ce pays-là. Quand les choses se tiraient entre Lansana Conté et des gens, d'autres quittaient derrière Lansana Comte pour aller dire à sa maman il suffit que la maman l appelle Lansana Conté, et puis c'est terminé. Il suffit que l la maman de Lansana Comte l'appelle. Il appelle au téléphone comme ça. Lansana Comte, quand il vient d'abord, il dit il dit à son fils, et puis c'est terminé. Et puis c'est terminé. Il dit à son fils c'est terminé. Il n'a jamais dit à lanse la dit Luna, la n'a la pas laissé. Non, 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 il laisse ça directement. C'est sa mère. Qu'est-ce que toi tu dis à ton fils Tu as dit à ton fils au départ de libérer Alpha Condé, lorsqu'Alpha Condé était arrêté, il n'a pas accepté. je vais t'aider. Excusez-moi, je, je vais aider le gars là. laissez-le. Voilà. Excusez-moi. Ah ouais, ici, Janet. Ah. Non, ici, là, il faut laisser. Je l'ai bloqué déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, on le traîne à faire café là. Non, t'es quelico. Donc, portez-vous très bien. Euh, monsieur, monsieur, monsieur tu veux que je te donne une valeur? Tu veux que je te donne une considération? T'as dit, tu aimes te faire voir. Et pourtant, tu es un petit quelqu'un. Un tout petit. Voilà. Tu as compris? Voilà. Moi, je pense que ceux qui ont, ceux qui ont, ceux qui n'ont pas de corps là, m'ont bien entendu sur l'affaire de, de l'amant. J'ai dit, si c'est vrai qu'il est mort, Maintenant, comme toi, tu n'as que ton anus là pour écouter. Tu as vu ce qui t'arrive parce que tu es bête. Parce que moi, en fait, moi, je n'ai pas fait de sortie. J'ai dit, les responsables, si Lama meurt là, tout qu'on fait, là, la famille de Lama est d'accord avec nous. La famille de Lama dit que le fait que Lama la est en prison, c'est d'abord, c'est mauvais. Maintenant, toi, il faut rester, faut rester dans ça là. T'as dit, je vais te bloquer aujourd'hui encore. Tu vas attendre, ah, jusqu'à Facebook, tu vas te, tu vas venir encore. Ça, la victoire, mais on n'est pas pareil. Actuellement, là, tu es mon, tu es, tu es mon employé. Tu travailles pour moi parce que tu me suis. Donc, portez-vous très bien. Ça, c'était pour euh, le gars, là, le, le vaurien, là, l'abocat Je connais, c'est un petit. Il n'a que les tests. Quand vous le voyez, il n'a même pas de fesses. Il n'a que les testicules entre ses jambes. C'est tout. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Là, ou le trains fait ni Kanyaï, ni Maniaï, un problème -il. de terre. Mais l'affaire de Kabila, il faut quitter dedans. Il faut arrêter d'être tout triste des gens. Il se marre Parce que dans l'affaire-là, vous avez demandé qu'on arrête l'enquête. L'enquête est arrêtée, c'est terminé.